plusieurs aspects de la prière qui ont permis à beaucoup de gens, ceux qui m'écrivent, de comprendre encore mieux la prière. Et en particulier le mercredi, quand nous avons mis l'accent sur la prière et le jeûne que Dieu prend en compte, plusieurs se sont repentis parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le jeûne en réalité. Le seul élément qui les retenait, c'est qu'on ne devait pas manger et boire. Et qu'on devait venir là crier. Mais ils ont réalisé pourquoi leur vie de jeûne et prière n'était pas productive, disons même à 60%. Parce qu'ils ne venaient pas dans la présence de Dieu, ils venaient dans la présence de leurs besoins. On va aller jeûner parce que j'ai un problème. Donc quand ils venaient, c'est leur problème qui est devant eux. Donc, ils ne prennent pas soin de Dieu lui-même. Alors, nous avons vu cela. Il faut mettre Dieu en première place. Ensuite, ils ne viennent pas en s'appuyant au jeûne. Là, ils ne s'appuient pas d'abord sur la parole de Dieu. C'est les paroles de leur bouche là qui les intéressent. C'est qu'on va dire à Dieu. Mais qu'est-ce que d'abord Dieu t'a dit? Non, ce n'est pas un problème. On va parler à Dieu. Non. Et d'abord, être conscient de sa présence. Il a dit, quand tu entres dans le lieu secret, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière simple, sois conscient qu'il est là et qu'il t'écoute et qu'il est prêt à t'exaucer pour te rendre. Mais si tu viens, tu n'es pas conscient de sa présence. Alors, tu es en train de parler à quelqu'un de vague. Troisièmement, ils ne viennent pas avec un cœur rempli de paix. Et même quand ils viennent un cœur troublé, ils ne prennent pas du temps d'abord pour que leur cœur rentre dans la paix. C'est avec un cœur troublé qu'ils veulent parler à Dieu. Un cœur troublé n'entendra jamais la voix de Dieu. Au lieu de rentrer dans la repentance, en s'humiliant, en regardant, est-ce que Dieu va m'exaucer? Je reprends Ésaïe 58, je regarde. Les conditions pour qu'un jeune plaise à Dieu, celui que tu veux prier là, t'a dit, voici comment le jeune que moi je prends plaisir. Mais il t'a dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. Si tu dis, toi, tu ne t'intéresses pas, toi, tu viens parler, lui aussi, il ne t'écoutera pas. C'est pourquoi il a dit, mais mes oreilles ne sont pas sourdes, ni ma main trop courte. Ésaïe 58 et Ésaïe 59 se suivent. Mais pourquoi? Mais ce qui met, c'est que le problème, c'est qu'il y a un problème entre vous et moi. Qu'il faut, il y a un obstacle qui m'empêche de vous entendre. Cet obstacle ne vient pas de moi. Ce sont tes méchancetés à l'égard de ceux qui sont avec toi, la maltraitance de tes serviteurs, tes servantes à la maison, et aussi tu as lié des gens que tu ne veux pas délivrer. Il dit, mais si tu fais cela, il dit, ta prière là, je vais l'écouter, je vais t'exaucer, je vais te bénir, je vais bénir ta postérité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les besoins viennent en dernière position. Quand tu as su que Dieu me met là et que tu t'appuies sur sa parole et ton cœur est dans la paix, parce que c'est le cœur, parce que quand le cœur est troublé, il est dit, mais dans un genre, quand le cœur est troublé, rempli de mesquinerie, sois sûr que Dieu ne t'écoute pas. On ne part pas jeûner pour se justifier. On ne part pas dire, oui, Seigneur, tu vois, c'est moi qui ai raison. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait cela. Si c'était ça là, si c'est ça ta règle, tu vas l'imposer aussi à Dieu. Et si tu l'imposes à Dieu, Dieu va te dire, entre toi et moi, qui a raison?
c'est moi qui ai raison. En ce moment-là, je ne te répondrai pas. Alors donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'aller s'enfermer, ne pas boire. Ça, c'est une punition. Tu es en train de te punir. Tu punis ton corps. Donc, ce sont ces choses-là qui font que beaucoup de gens... Et puis, nous avons vu plusieurs formes de jeûne. Bon, au Burkina, aujourd'hui, le jeûne en vogue, c'est le jeûne d'Esther. Tu ne t'appelles pas Esther. Ta femme ne s'appelle pas Esther. Tu n'as pas un nom qui s'appelle Mardoché. Ton oncle s'appelle Brahma. Voilà. Donc, il faut arrêter ces choses-là. Il faut entrer dans le contexte de la parole de Dieu. Même les jeûneurs chroniques, là, ils m'ont écrit pour dire « Ah, papa, on n'a pas compris. » Il dit « Voilà, je m'adressais aussi à vous. Vous n'étiez pas là, mais je sais que vous avez écouté. Quand j'ai fini, j'ai envoyé à chacun d'entre eux le message. » Il faut clarifier les choses. Les gens se réunissent. 3 jours, 4 jours, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Plusieurs sortes de jeûnes. Et chaque jeûne doit correspondre à un type de besoin. Les jeûnes ne sont pas pareils. Le jeûne de Josaphat et le jeûne d'Esther, ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Donc, on a vu toutes ces formes de jeûne-là. Quel est le jeûne que tu veux pratiquer? Et quelles sont les conditions que Dieu te donne? Alors, si tu reprends cela, je le dis parce que certains n'étaient pas là. Ils vont continuer la mauvaise manière de jeûner alors que Dieu est venu nous éclairer. Dieu est venu nous donner comment ça fonctionne. Et quand on dit cela, il y a des gens qui sont devenus chrétiens il n'y a même pas 10 ans, qui veulent contester. Ce que tu fais là, moi je l'ai fait il y a 40 ans. C'est que ta manière de jeûner là, je l'ai fait et ça ne marche pas. Donc j'ai cherché à savoir, mais j'ai jeûné aussi. Je jeûnais en pleurant. Mais ça ne fonctionnait pas. Dieu m'a dit que ce n'est pas les larmes que lui regarde d'abord, c'est sa parole. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'a pas dit qu'il veille sur nos larmes, ni nos cris, ni nos gémissements. Alors j'ai changé. Et parfois les gens, à cause de ça, ils sont découragés. Ils disent, mais on a jeûné, pasteur, on ne comprend pas, j'ai jeûné, les gens m'écrivent comme ça, j'ai tout fait. Ils disent, mais ce n'est pas ce que toi tu as fait qui compte, c'est ce que Dieu a fait. Voilà, c'est ce que Dieu a fait, pas ce que toi tu as fait. Ce que Dieu a fait là, as-tu accepté? As-tu pris ça en compte? Est-ce que tu te soumets à ça? Ah, je ne savais pas. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Même il y a des conditions, même la banque pour te prêter de l'argent, ils ont des conditions. Ah oui, mais moi j'ai déposé 5 millions ici, dans votre banque là. Maintenant je veux un crédit de 40 millions. On te dit, mais tu as déposé 5 millions. Ça ne te donne pas le droit qu'on te donne 40 millions de crédit. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Bien que ton argent soit là-bas. Même pour avoir ton argent là, tu ne vas pas aller dire, arriver à la banque là, « Hey, donne-moi mes 5 millions. » On va te dire, « Messieurs, remplis les papiers. Tu as un chéquier ?» Non. On peut t'apporter un chéquier donc au comptoir. Tu as déposé ta signature ? Ah, je ne sais pas. Ah, le caissier va te dire, « Messieurs, voilà les conditions. » Pourquoi vous ne voulez pas, nous voulons pas nous soumettre aux conditions de Dieu? Et nous voulons que Dieu fasse... Non, Dieu n'est pas notre petit garçon de course, là. Il est Seigneur. Ne croyez pas parce que vous souffrez. Il y a des gens qui ont souffert. Jésus l'a dit, hein. Il a dit que la tour est tombée sur certains, là. Et ils sont morts, les innocents. Donc, pourquoi? Il y a des gens... Il dit que je suis venu visiter Jérusalem. Jérusalem n'a pas écouté. Il dit, vous voyez les murs, là. Vous voyez le temple, là. Il y aura pierre sur pierre. Il faut lire la Bible pour vous imprégner. N'allez pas prendre vos idées et les idées des jeunes qui se promènent là, des vendeurs de jeunes de prière. L'autre jour, il y a un gars qui est à Bobo là. Du moment qu'on partait à Bobo pour faire les réunions au stade Lamizana là. Il y avait donc, on avait donc les gens
qui priait l'autre côté. Il y a un gars qui est venu là-bas, que lui, il a une révélation. Il commence à dire aux gens là, bon, Dieu dit d'aller faire 9 jours de jeûne. Toi, 7 jours de jeûne. Bah, heureusement que quelqu'un était éclairé, était là-bas. Il a dit, c'est faux. Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'aller faire 9 jours de jeûne. Il va faire 9 jours, tu vas le tuer. Tu vas détruire ses reins. S'il fait 9 jours sans boire là, tu détruis tous ses reins. Il a fallu qu'on explique. Et ce jour-là, quand je commençais à prêcher, je voyais un monsieur qui vers la tribune des choses, qui était couché là-bas. Il était en train de mourir. J'ai dit à 2 jeunes là rapidement de courir aller. C'est parce qu'il n'a pas bu de l'eau. C'est pas, il n'est pas malade, hein, parce que depuis combien de jours il n'a pas bu de l'eau. Allez justement, il ne faut pas aller prier. Si vous partez prier, il va mourir dans vos mains là. Ils ont amené tout juste un peu d'eau, ils l'ont donné un peu. Quand ils ont donné un peu, le gars a pris le reste là, en 1 minute, il a tout avalé. Et puis il s'est assis. Maintenant, donc ouais, le jeune allait tuer quelqu'un, on voit que c'est le diable qui l'a tué. L'ignorance est dangereuse, vous entendez? Mes filles là, l'ignorance est dangereuse. Pas imposer le jeûne à des gens. Le jeûne n'est pas un moyen pour corrompre Dieu. Si toi, ton cœur est mauvais, tu vas jeûner avec qui que tu veux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand on vous enseigne, prenez l'enseignement. N'écoutez pas les gens. Ils sont nés tout de suite là. On est tout de suite. Ils n'ont pas expérimenté des choses. Et ils veulent conduire des foules. Mon frère, il y a des choses qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien écouter et aller de l'avant.